Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Comment allez-vous? J'espère que ça va bien. Vous êtes prêts? Allez, on va aujourd'hui faire une dédicace pour un anniversaire. Donc, c'est demandé par Chris, elle, pour l'anniversaire de sa fille. Donc, Chris, pour l'anniversaire de ta fille, tu m'as demandé un méga mot croisé. Eh bien, écoute, le voici, ticket numéro 21. Je suis ravie de lui faire cette dédicace, de vous faire cette dédicace. Et bien sûr, je souhaite à ta fille un très joyeux anniversaire, une belle journée et puis plein de bonnes choses. Et pour commencer cette journée, et ben un méga mot croisé. Et alors, vous savez que je prégratte, hein, voilà, je fais ça depuis très longtemps. Et là, c'est quelque chose qui m'arrive assez rarement quand même. Ça a dû m'arriver deux fois peut-être, je crois, je ne sais plus exactement. En prégrattant, j'ai déjà trouvé deux mots. Été, hein, E-T-E, on a bien les lettres là, et épi. Donc ça veut dire qu'il est déjà gagnant. Voilà. Alors peut-être qu'on n'aura que 10, hein, peut-être qu'il n'y aura que ça, mais franchement, déjà, bah, c'est cool quoi, ce ticket, déjà me plaît bien. Peut-être qu'il y aura autre chose, peut-être qu'il n'y aura rien, on va regarder ensemble. D'accord? Allez, on passe tout de suite au jeu numéro 2 et on reviendra au jeu numéro 1 ensuite. Et encore une fois, très joyeux anniversaire à ta fille. Allez, c'est parti. Alors, premier mot, roman. Et deuxième mot, côté. Donc, roman et côté. Alors, est-ce que ils sont... hop, est-ce qu'ils sont là-haut? On va voir. Alors, avec un C, moi je vois cerveau là. Avec un C, est-ce qu'il y a autre chose avec un C? Bonne question. Non, je vois pas moi. Et avec un R? Avec un R, qu'est-ce qu'on a avec un R? Eh ben, je vois pas non plus ni roman ni côté. Bon, ben tant pis, hein, ceux-là on les a pas. C'était pour, ah oui, 200, ok. Je comprends mieux, c'était pour 200 € et 20 €. Bon, c'est pas grave, on va aller continuer le jeu numéro 1. Déjà on sait que c'est gagnant, donc ça c'est cool. J'avais trouvé le E en pré-grattant et du coup on a été. Et on a épi, E-P-I. Voilà. On continue. On va voir s'il y a d'autres mots ou si c'est les deux seuls. Alors, un R. Un R, donc un R, normalement, il doit en avoir plusieurs des R. Donc, un là. Un ici. Dans effroi aussi. Dans loisir. Là, il y en a un. Dans juré. Là, il y en a un. Et il y en a un dans cerveau. Voilà, pour les R, j'en ai pas oublié. Non, ça doit être bon. Alors ensuite, un F. Un F dans effroi. Enfin, il y en a même deux. Et par contre, j'ai l'impression qu'ils n'en ont pas mis d'autres. Non. Un N. Alors, dans nos, dans nos, dans anomalie, là, il y en a deux aussi, dans inuit, voilà, et en bas, je n'en vois pas, non, je crois que ça va être tout. Alors ici, un G, et bien dans ego, il y en a un L. Alors, dans anomalie, là, il y en a un. Là, il y en a un. Ici aussi. Dans loisir, là, il y en a un. Dans usuel. Et je crois que c'est tout. Je ne vois pas d'autres velles. Un X. Alors, dans cerveau. Et c'est tout. Et la dernière lettre, un Y. Bon, ils ne veulent pas nous donner plus.
Eh bien, tant pis, le Y, il est là. Et du coup, bah, écoutez, ça va être deux mots, donc 10 euros. Mais franchement, déjà, on prend, hein, il est gagnant. Ça aurait été bien un petit 20, mais bon, là, je crois que la Française des Jeux a fait, fait son max. Bon, on regarde quand même si j'ai rien oublié. Alors, on n'a pas de A, on n'a pas de U, on n'a pas de O. Donc, pas de A, pas de U, pas de O, à chaque fois, c'est les mêmes. Tiens, j'ai oublié des E, là, bon, n'importe quoi. Oh, alors, j'ai oublié un E, là, mais on n'a pas de U, donc ça ne change rien. J'ai oublié un E, là, mais on n'a pas de O, donc ça ne change rien non plus. Mais quand même, hein, on va quand même le gratter. Et donc, voilà. Et bien, écoutez, pour le jeu numéro 1, on a deux mots. Et donc, on a 10 euros. Et franchement, on prend... Surtout pour une dédicace anniversaire, déjà ça fait super plaisir. On va voir si à tout hasard il y aurait un petit truc en bas. Alors, un E et un N. Donc un E ici, ici. Ah, ça gratte mal sur le côté, je ne sais pas pourquoi. Là, là, et voilà, un N. Dans grandir, il y en a un là également. Un I et un S. Donc, un I ici, un I ici et ici, un S là et là. Voilà. Un R et un Q. Alors, un R, il y en a un là. Un Q, il y en a un. Oh, ben j'ai oublié un E là. Oh. D'accord. Désolée. Alors, ensuite, un M et un V. Alors, un V dans épave, un M dans ému. Et je crois que bon, c'est tout. Un G et un D. Un G, ah oui, dans grandir. Un D dans grandir. Bon, je crois qu'il n'y a pas d'autre G. Un L et un O. Donc, un L là. Un L là. Un O. Ici, ah, j'ai oublié un R là, triple flûte, voilà, est-ce que j'ai oublié des choses, je crois que non, alors un C, ici, dans éclat, et la dernière lettre, ça va être quoi? Ça va être un U, et ben cool, regardez ça, ah génial, on a ému, donc, ça veut dire qu'on a 10 euros de plus. Super! Eh bien, écoute, pour ton anniversaire, pour la dédicace, là, c'est plutôt sympa quand même. On a 10 euros avec ému ici et on a 10 euros là, donc 10 et 10, 20. Eh bien, super! Le méga est à 10 euros, le méga mot croisé. Donc, on a la session qui est remboursée et on a même 10 euros de bénéf. Donc, franchement... En ce moment, avec la Française des Jeux, eh ben, c'est plutôt cool. Moi, je prends. Voilà, bah, écoutez, j'espère que Chris et sa fille, j'espère que cette dédicace vous a plu. Vous tous, j'espère que cette session vous a plu. N'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et encore une fois, très joyeux anniversaire.